Ok, eh bien bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui vidéo très spéciale, j'ouvre enfin ma map edit pour réaliser un petit concours pour gagner ce clavier et 50€ Paypal. Alors restez bien sur cette vidéo, vous allez tout comprendre comment faire parce qu'il y a quelques conditions à respecter. Je suis vraiment très heureux de vous présenter ma map edit. Je me suis dit, je fais beaucoup de map edit, pourquoi pas vous en proposer une. Et eh bien c'est ce qu'on a fait avec Pixel Park, sa chaîne est dans la description. Donc voilà, un clavier à switch bleu, donc ce sont les switch les plus bruyants, rétroéclairé seulement vert. Ce clavier a une valeur de 45€ et réellement, je l'ai très apprécié quand j'ai fait l'unboxing. C'est donc pour ça que je vous propose, je l'ai utilisé qu'une fois et puis tout simplement les amis, on va commencer à s'intéresser aux conditions. Alors comment participer à ma map edit, donc le résumé des conditions sera dans la description bien évidemment les amis. Alors on se retrouve sur Fortnite pour comprendre un petit peu mieux les conditions et soyez très attentifs, sinon vous n'aurez pas la chance de participer pour gagner soit un clavier ou soit 50€ Paypal. On se retrouve sur Fortnite, c'est parti. Et bien heureux. Alors la première condition, ce sera tout simplement de mettre mon code créateur GX le slime. C'est une petite chose que je vous demande, mais ça fait partie des conditions. Donc GX le slime dans boutique d'objets, soutenir un créateur. Vous faites accepter et je vérifierai si le gagnant a mis le code créateur ou non. C'est super important les amis, je suis actuellement vers 600 soutiens. On se donne un objectif de 3000 soutiens, donc je compte vraiment sur vous pour atteindre cet objectif. À partir de 3000 soutiens je pourrais refaire une V2 si vous voulez. Donc n'hésitez vraiment pas à bombarder le code créateur GX le slime, n'hésitez pas à le pub, à donner mon code à vos potes, etc. Bref, merci infiniment à ceux qui le feront. On se retrouve pour la deuxième condition. Et bien heureux. Alors la deuxième condition, ce sera tout simplement d'être abonné à ma chaîne YouTube, c'est très simple, et d'activer la cloche aussi. Donc d'être abonné et d'activer la cloche, parce que je considère que je fais gagner quand même des lots à des abonnés et pas à des inconnus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour participer. Voilà, abonnez-vous, mettez le code créateur et puis voilà tout simplement. Donc abonnez-vous tous et je vérifierai si les meilleurs temps seront abonnés et auront mis le code, sinon ils seront disqualifiés. Donc voilà les conditions. Après évidemment on va donc mettre la map, et n'oubliez pas que le code de la map est tout simplement dans la description et sans doute dans les commentaires pour vous faciliter un petit peu la tâche. Voilà, on rentre dans la map. Les conditions sont ici pour les gens qui ne connaissent pas. Et là, très important les amis, j'ai eu un problème avec mon code créateur. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est pas réellement le code qu'il faut mettre. Donc, on va effacer. Et puis, vous mettez simplement ce code-là. C'est très important. Donc, mettez GX le slime. Vous faites accepter. Mais très important d'effacer quelques lettres. Et voilà, vous me soutenez enfin. Et le but sera tout simplement de faire la map le plus vite possible. Donc là actuellement je vais vous montrer tout simplement tout ce qu'il faut faire pas à pas, parce qu'il peut y avoir un petit peu des épreuves que vous ne comprenez pas trop. Je vous comprends totalement, ça peut être possible parce qu'il y a des exercices assez chelous quand même, je vous le cache pas. Du coup il faudra filmer son écran, faire le meilleur temps et upload sur YouTube avec le hashtag, très important, le hashtag GXEdit dans le titre. Ça me permettra personnellement de voir toutes les vidéos qui sortent à propos de ma map et mettre le temps dans le titre tout simplement. Alors du coup pour commencer on va tout simplement appuyer sur le chrono. Alors bien sûr là je vais pas du tout faire un record, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous appuyez sur le chrono, vous éditez, peu importe, hop, hop. Et ensuite bah du coup là vous continuez, vous continuez, vous continuez. Tac, 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 voilà. Donc la deuxième étape sera tout simplement de faire des 90 à partir d'ici. Hop, 90, 90, 90. La deuxième étape, les amis, ce sera de faire de l'extend. Alors, je vous explique, vous faites ça, comme ceci. Pas obligé de mettre un toit. Là, je me suis fail, mais voilà. Vous mettez des murs sur tous les côtés, c'est très important. Et voilà. Donc, je répète, pas obligé de mettre de toit. Ensuite, ici, le but sera de monter comme vous le désirez, en fait. Comme ça. Hop, hop. Assez simple. Ensuite ici vous avez juste à faire des trucs comme ceci. Vous pouvez aussi faire comme ça, peu importe. Mais il faut juste passer le plus rapidement possible, tout simplement. Hop et hop, voilà. Ensuite ici nous avons une descente, donc je pense que beaucoup de gens connaissent. Le but sera tout simplement de descendre le plus vite possible en éditant. Après peu importe la manière que vous faites, mais peu importe réellement, ça m'est égal. Donc vous descendez et voilà. Prochaine étape alors c'est tout simplement pareil, vous faites comme vous le désirez. Là il n'y aura pas de bug possible, vous pouvez vous boost si vous voulez. Hop. Hop, 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 hop. Et bah tout simplement vous avez juste à traverser comme ceci. Ensuite ici, classique aussi, il faudra tout simplement faire des 90. Donc c'est assez simple, tout le monde connaît. Il faudra monter assez haut par contre. Et une fois arrivé en haut, on aura tout simplement une allée ici. Et ici le but sera d'éditer à peu près comme ceci, juste pour passer. Et bah voilà, tout simplement. Une petite descente assez bizarre qu'on a créée. Et puis voilà, une petite descente. Voilà. Ensuite en parlant de descente on en a une autre, donc il faudra tout simplement descendre comme l'autre descente en fait. Donc ici en fait le but ce sera de faire comme ceci. Vous pouvez passer comme vous voulez, mais le mieux en fait à faire c'est comme ça. J'ai imaginé ça pour faire ça. Et voilà. Alors ici tout simple,
ça, 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 ça. Voilà, très simple. Ensuite ici, il faudra simplement éditer comme vous le désirez pour passer simplement aux étages d'en bas. Ensuite ici, une petite descente, voilà. Ensuite ici, vous posez un escalier, vous éditez deux fois. Et vous posez un escalier, vous éditez deux fois. Donc voilà, très simple, vous avez juste à poser un escalier et à éditer les deux au-dessus de vous. Ensuite ici, c'est assez compliqué, donc il faudra juste monter comme ceci, essayez de faire comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre précis. Et voilà, tout simplement, il faudra monter tout en haut. Voilà. Et à présent ici, il faudra juste descendre comme un bourrin. Ensuite ici, il faudra tout simplement éditer de la manière que vous voulez pour passer tout simplement le plus vite possible. Hop, hop, et voilà. Alors là, je vous le cache pas, c'est très compliqué. J'espère que vous êtes chauds les gars. Il faudra tout simplement éditer comme ceci et comme ceci, de chaque côté. Donc, à vitesse, on va dire, en courant, c'est assez difficile. J'ai déjà réussi en courant, mais c'est très difficile. Donc il faut faire comme ceci, voilà. Exactement cette édite là, de chaque côté. Ensuite ici, très simple, double édite, c'est très simple. Ici, ça m'est égal, vous pouvez faire comme ceci. Ensuite ici, nous avons un pompe. Alors le pompe, je vous explique les amis. On en prend un ou deux. Ouais, vous pouvez en prendre deux, ça ira plus vite je pense. Le but sera simplement de descendre comme ceci. Éditer partout et tirer sur les blocs rouges. Deuxième étage, pareil. Tac, 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 tac. Ensuite vous tombez et vous êtes directement sur le chronomètre. Malheureusement je suis désolé, les joueurs PS4 vont vraiment galérer à jouer, je suis vraiment navré. Mais la prochaine map, il y aura un lot pour les joueurs console et les joueurs PC. Mais vous pouvez quand même toujours essayer de faire la map les joueurs PS4. Et sans doute que je pourrais gagner un lot, je ne suis pas sûr du tout. Mais je pense que ça va être chaud pour vous, j'en suis désolé les amis. Donc le lot ce sera tout simplement 50€ PayPal pour le premier. Et pour le deuxième, un clavier rétroéclairé vert au switch bleu d'une valeur de 45€. On s'est pas trop foulé pour la déco, nous ce qui nous importe c'est simplement d'entraîner les joueurs. Petite pensée aussi aux gens qui me suivent en live pour les extends, parce que les extends c'était réellement une pensée pour les gens qui me suivent en live. Bref, j'espère que ce concours vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo et la map et mon code créateur à tout le monde. Voilà, franchement ça me ferait super plaisir. Bref, amusez-vous bien à vos claviers les amis. C'est parti pour jouer comme des grands malades pour gagner simplement les lots. On va dire que vous aurez environ 15 jours pour faire la map. Après je peux allonger aussi à 20 jours ou 25, ça dépend, mais pas plus. Donc entre 15 jours et 20 pour faire tout simplement le meilleur record.